caméra. C'est comment? C'est le thé? Voilà. C'est le Warman du thé à thé. Enfin, tu vas gagner ce soir. Caméra, c'est quoi, non? Mais fais cette petite vidéo pour parler de la suite, là. J'ai fait une vidéo hier soir pour parler d'un sujet sur un de nos Camerounais qu'on est en train de. C'était sorti le lyncher sur la toile. J'ai vu les commentaires. Je vais vous répondre maintenant, encore cette fois-ci, pour clôturer. Pourquoi? D'abord, je dis ceci. Le Warman est sur la toile depuis longtemps. Je suis le plus ancien que vous, tous ces petits branleurs qui font des vidéos pour dénigrer. Là. Je vous connais, je vous ai vu arriver. Tout le monde est venu me trouver. Je suis là depuis 2004. Donc, je suis le plus ancien. Je suis bien placé pour vous dire en face que beaucoup d'entre vous sont des petits noyeurs. Beaucoup d'entre vous n'ont aucun talent. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas imiter. Ils veulent détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le jeune, comment s'appelle, Philippe Cibot, les gens le lynchent. Le petit frère sur la toile, il fait son petit business. Je signale d'abord que le talent camerounais est reconnu en Afrique. Je signale d'abord qu'investir au pays, le conseil du petit frère, est un talent camerounais. Parce qu'il y a certains Africains qui ont émis déjà ça. J'ai vu certains Africains qui ont émis déjà ça. J'ai même vu des gens qui font le même style, comme Felicimo, faire des vidéos pour le cracher dessus. Certains Africains. Et tout ça parce que les Camerounais le mettent en. Le dénigrent. Certains Camerounais. J'ai vu des Camerounais sortir des arguments. Parce que je vais vous dire, moi, Waman, on n'a pas l'habitude de vous répondre. Moi, je vais vous répondre. J'ai vu les Camerounais dire, Philippe Cibot a dénoncé un de ses collaborateurs qui a Chibara à la caisse. Je vais vous dire, écoutez-moi bien. Je suis allé regarder les vidéos. Ce jeune homme de Philippe Cibot n'a pas mis les noms. On appelle ça anonyme. C'est un blogueur. Il raconte ses périphéties. On dit qu'il a périphéties. Il raconte ses anecdotes. Il a des abonnés. Il raconte ses difficultés au Cameroun, ses projets, ses réussites. Il raconte cela. Si un collaborateur l'a volé, il vient dénoncer. C'est normal. S'il affiche le nom. S'il affichait la photo de ses petits frères, il devait être contre. Il n'a pas affiché. Comme moi-même, quelqu'un peut me voler, je viens dénoncer l'anonyme. On a le droit de faire ce qu'on fait d'anonyme. Malheureusement, le Perica qui est venu réagir en vidéo, là, je m'accroche ce petit frère-là qui a fait la vidéo, un de ses collaborateurs-là. Petit frère, regarde-moi, c'est Waman qui te parle. Ta vidéo n'est pas bien, mon petit. Philippe Cibot a dénoncé, il n'a pas mis ton nom. Personne ne te connaissait. Tu viens faire la vidéo pour quel but? Les Camerounais noyés vont t'encourager. Ta vidéo te noca toi-même. Parce que si tu as Chiba, tu ne dois pas venir faire la vidéo. Parce que quand tu fais la vidéo, tu ouvres la brèche pour que les ennemis de Philippe Cibot viennent profiter pour le cracher dessus, mon petit. Tu devais rester tranquille dans ton coin. Tu fais la vidéo, on me dit que tu étais son employé, que tu étais un grand marketing. Mon petit, est-ce que c'est toi qui décidais du salaire d'un employeur? Tu signes un contrat où c'est pendant des mois, tu gagnes 2, 3 millions, imaginons. C'est toi qui décides de ton salaire. Mais c'est toi qui signes un contrat. Est-ce que l'argent que tu gagnes, c'est pour toi, mon petit? Quand tu gagnes 1 million, l'entreprise gagne 1 million, il y a d'autres employés à payer, non? Tu es devant, il y a les gens, il y a la maison à payer, il y a les factures, il y a les trucs de l'État camerounais à payer, non? Il y a les impôts, non? Donc, l'argent, donc vous les Camerounais, comment voulez-vous qu'on évolue? Quelqu'un t'engage, tu travailles, tu gagnes, tu as fait gagner tes choses, tu veux qu'on te paye directement en 2 mois ce que tu as travaillé. Mais quel est ce comportement? Les Chinois travaillent comme ça. Même les Nigériens ne travaillent pas comme ça. Vous voyez, les Nigériens se noquent entre eux sur la toile. Pourquoi c'est tous les francophones camerounais qui passent le temps à saboter l'autre, mon petit? Mon petit, ce que tu as fait de pas bien. Un conseil de Waman. Ceux qui t'encouragent là, j'aimerais qu'ils te trouvent le travail. J'aimerais qu'ils te donnent un salaire de 600 000. J'aimerais qu'ils te donnent un salaire de 1 million. On voit. Est-ce qu'il est facile de payer un salaire de 50 000 au Cameroun? Quand un petit frère, comme Philippe Cibot, vient sur la toile, il te prend comme ça. Même si t'as mis de côté, tu devais tuer le coup de venir derrière du grand frère. J'ai pas aimé ça. Ça vous parle entre vous. Que d'aller sur la toile, ceux qui t'encouragent ne t'encouragent pas. C'est des serpents. Les Camerounais sont comme ça. Ils te font 2 jours. Après, ils vont t'oublier. Personne ne va t'engager demain parce qu'on sait que tu as un danger. Tu peux demain ouvrir une brèche. Ça, c'est d'abord pour toi, mon petit. Tu as fait l'erreur très, très dangereuse. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on expose les Camerounais pour que les étrangers nous poignardent. Je supporte pas ça. Et maintenant, parlons de. Il y a un petit souci là, on m'a montré, elle a fait une vidéo. Petit soeur, j'ai pas envie de te casser. Tu es un petit soeur, tu es seulement naïf. Les femmes, tu es naïve, ma petite soeur. Ne fais pas de live, même si tu n'es pas content, ma petite soeur. Quand on est entrepreneur comme toi-même, on n'affiche pas le collègue. On ne dit pas à l'autre, l'autre c'est bien. On n'apprécie pas un autre et on crée sur l'autre. Parce que toi-même, tu es dans le réseau. Fais attention, parce que demain, les gens vont ouvrir la brèche. En plus, vous, les femmes, entre vous, la noca est classique. Ma petite soeur, ne fais plus ça. Un conseil de Waman, n'entre plus dedans. Tu viens te présenter. Tu dis que je ne suis pas là pour nos cas. Mais tu ouvres la brèche. Il fallait fermer ta bouche. Tu continues ton couloir doucement pour durer sur la toile. Évite de regarder le derrière de l'autre, petite sœur. Les gens qui font les commentaires. Tu as raison, petite sœur. Tu es jolie. Tu parles bien. Tu es éloquente. Ils vont avoir peur de toi. Tu es un danger pour tout le monde. Fais attention, petite sœur. Dans un conseil de Waman, évite ce genre de choses-là. Ce n'est pas bien. Arrête de dire que j'ai fait la justice de quoi. Il fallait te taire. On t'a mis de côté, bats-toi à côté, crée ton talent toi-même. Ça, c'est la première chose. Et vous aussi dire en général à tous les Camerounais, le but de Waman, ce n'est pas soutenir le faux. Non.
C'est de dire, quand vous mettez quelqu'un, un talent camerounais comme ça, vous tombez sur lui. Oh, est-ce qu'il est parfait? Qui est parfait? Moi, je suis parfait. J'ai encore vu les commentaires. On dit que, j'ai vu les commentaires, dit que Philippe Simon avait critiqué, ou c'est la crypto-monnaie? J'ai dit camerounais. C'est l'agression maintenant. Vous, les gens de crypto-monnaie, c'est l'agression. C'est la bagarre maintenant. Donc, si on vous critique, c'est la mort. C'est la sentence de mort. Vous ne pouvez pas créer des entreprises visibles. Vous ne pouvez pas travailler un travail visible. Vous êtes obligé de passer par les choses, le crading, les machins, le franc, gros français. Moi, personnellement, je l'ai dit, ne m'envoyez pas des sujets comme ça. Je vous respecte à distance. Chez moi, il n'y a pas de trading, il n'y a pas de crypto, il n'y a pas. Chez moi, c'est le travail au sol. Moi-même qui vous parle, je m'en vais comme ça au travail. Je fais 12 heures debout. Je travaille. Je bois mes beurres. Je conseille le cabinet de travail de visible, fiche de paye. Vos histoires que, on joue le loto, ça ne me concerne pas du tout. Je vous respecte. Donc, fichez-nous le camp. Donc, on n'a pas le droit de vous critiquer. Si on vous critique, vous faites les campagnes de dénigrement. Moi, personnellement, je suis habitué avec vous, les Camerounais. Hein. J'avais déjà dit ici. Vous n'êtes pas des bons soutiens, vous, les Camerounais. Vous soutenez pour deux jours. Après, la personne glisse. Vous poignardez. Mais le problème, c'est que quoi? C'est le talent camerounais qui est poignardé. Regardez les Africains maintenant qui font les vidéos. Certains Africains, là. Pour taper sur le Péri Kabilis, Félicibo. Oh, il est comme ça. Et les Camerounais, un mot là, maintenant sur la toile. Petit mot escroc. Vous faites ça à tout le monde. Moins de mots, tu es escroc, tu es bandit, tu es escroc. Mon frère, moi par exemple, sur ma page, j'ai dit publicité, c'est comme ça. C'est mon talent, non, mon frère, c'est mon travail, non. J'ai travaillé pendant des années, je dois boire mes beurs, non. Vous allez me traiter de telles choses, c'est pas mon talent, je ne peux pas boire mes beurs. Je n'ai pas le droit de boire mes beurs. Qui va me financer? Quelqu'un crée son entreprise, il propose l'information, qui va le financer? Il doit boire ses beurs. Si vous ne voulez pas passer, créer pour vous, faites gratuit. Créer pour vous, faites gratuit. Payez les impôts au Cameroun, sur la toile comme lui là, 500 000 on voit. Pourquoi vous participez aux campagnes de dénigrement? Moi, je fais ça pour dire aux Camerounais. Regardez-vous dans un miroir. Moi, je suis sur la toile depuis des années. Je vous vois arriver. Ceux qui font les campagnes de dénigrement ne seront pas comme. Demain, vous-même, vous allez passer. Le mauvais cœur, déjà, c'est quoi? C'est que j'ai vu certains Africains. C'est ça qui me fait mal. C'est même ça qui a fait, j'ai fait les vidéos. Quand j'ai vu un Africain, là, qui a fait une vidéo avec un Français de chasseur de rats, qui se permet de critiquer le talentueux Camerounais, Philippe Simon, et, alors qu'on lui fait dans le même business. Il dit, moi, tu sais, comment peut-on laisser? Pourquoi les francophones Camerounais sont comme ça? Je ne vois pas les Nigériens font ça. Je ne vois pas les Nigériens se critiquer sur le talent. On valorise le talent, le concept investi au pays. C'est le Camerounais qui a créé ça. Les gens imitent partout. Mais vous, les Camerounais, vous avez vos mots là. On a le droit de lancer. Vous écartez vos fesses, on vous poignarde. Vous êtes toujours pareil. Critiquer, insulter, dénigrer. Dès que quelqu'un fait un truc qui est bien, dès qu'il monte, vous le poignardez. Ce qui est mauvais. Vous tous, les Camerounais, vous tous là, vous-même essayez. C'est toujours un Camerounais qui va te descendre. C'est toujours ton voisin qui va te descendre. C'est toujours un ami qui va te descendre. Les gens restent avec la haine, les francophones. Vous, les francophones, je m'en dis, c'est tout francophone parce que ce concept francophone-là, c'est un truc très dangereux. On n'aime pas apprécier ce qui est bien. On n'aime pas soutenir ce qui est bien. Vous gagnez quoi à le gâter? Moi, je veux gagner quoi à gâter ce genre de petits frères. La petite soeur qui a fait la vidéo live là. Petite soeur, toi-même, tu as une agence, non? Je veux gagner quoi à te détruire? Je ne veux pas te protéger pour que tu deviennes milliardaire demain. Même si entre nous, un jour, il vient chez toi travailler, que ça ne va pas, je vais aller derrière les petits, c'est easy. Ne fais pas ça, parce que si c'est un autre cas, demain, ton talent va diminuer, et moi, je ne peux pas m'éclore. On passe par quelqu'un pour être quelqu'un. Évitez ça. Et pour les petits employés, là, petits frères, un conseil de grand frère, c'était pas bon. Ne fais plus ce genre de choses-là. Évite de jouer dans ce genre de choses. Les Camerounais qui t'encouragent, te mettent dans le choca. Sur la durée, ils vont t'abandonner. Ils vont te traiter de bandits. Ils sont très forts. Fais attention. Et j'ai encore vu certains, Cameroun au Cameroun, j'ai même vu les Camerounais promettre les vidéos de menaces. Les gens au Cameroun promettent les vidéos de menaces. J'ai dit, tu vas voir, je peux faire 10 vidéos. Donc, les Camerounais sont devenus champions pour promettre. Maintenant, les Camerounais, c'est le matin, ils prennent une vidéo, ils te menacent. Je fais 10 vidéos sur toi. Les insultes ne changent rien. Vous ne pouvez pas détruire un talent qui est fort. Je m'en vais sur Camerounais, le Cameroun qui font les vidéos de menaces là. Ça ne change rien. Si tu veux critiquer quelqu'un, fais ta vidéo, tu fais moins cher, on voit. C'était pour vous dire ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette haine. Je n'aime pas ce dénigrement. Soutenez les Camerounais. Soutenez les talents sur YouTube. Ce n'est pas facile d'avoir les abonnés. Je n'aime pas qu'on. Si on détruit le Camerounais là demain, les autres nous remplacent. Les pays africains vont remplacer le gars. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas quand on détruit mon peuple, mon frère. Ce n'est pas normal. Les petits chasseurs de rats vont nous détruire, mon frère. Et nous, on va disparaître. Ils vont prendre la place. Alors, c'est le Camerounais qui a créé le concept. Nous devons défendre cela. Les pays africains, les pays européens défendent le concept. Tu essaies de toucher certains concepts, on t'envoie qu'en prison. Tu essaies de toucher un conseil au Niger, on t'envoie qu'en prison. Mais chez les Camerounais, les justiciers sont de partout. Ouais, non, il est comme ça. Ouais, il est sous trop. Il m'avait aussi engagé. Il m'a pas payé. Ouais, sans caleçon. Ils ouvrent les fesses. Eux-mêmes, demain, ils viennent demain sur la toile, c'est mettre pour aussi ça. Qui va aller vers les gens comme ça? Oh, pauvre Cameroun. En tout cas, mes chers compatriotes, moi, le Wama, je vous connais, hein. Ceux qui m'insultent, voilà, je m'en fous. Moi, j'ai dit aux Camerounais, je vous chie dessus, les ennemis, là. Suicidez-vous, pendez-vous, vous ne pouvez rien me faire.
dénigrez-moi, je suis Warman. Je vous connais la noca. Je suis habitué de vous cacher. Donc je vous chie dessus les sorciers là. Et les sorciers là, pendez-vous. C'est Warman qui dit. Bouh.